Alors, toujours avec Java, donc avec Code Academy, et je trouve que Code Academy ça va trop vite. Bon. Alors, les instances, les instances fields, d'accord. Donc, il dit qu'à le dernier exercice, ils ont essayé de faire un. On a essayé d'imprimer une instance de la classe store. Donc, du coup, on a eu l'adresse de l'instance. L'adresse de l'instance. Voilà. Donc, l'adresse, c'est ça. Donc, ça se réfère à la classe et la seconde partie ou à la localisation en mémoire. Donc, on va voir ça. Donc, public car. Voilà, store. J'ai vu ça. J'ai pas fait de. Alors, où est-ce qu'il dit qu'on a fait ça? On va faire un petit bac. Ouais, j'ai dû faire dans le truc. Non, c'est pas grave. On va refaire avec la store. Alors, public la store, ok. Ok. Bon, mec. Notre constructeur. Ok. Alors, constructeur est là. System. Printline. Et du coup, on va écrire. Je suis. I am the constructeur. Ok. Méthode. Alors, dans le main, c'est voilà. Mais quoi? Start of the main method. Ok. Ça c'est fait. Alors, on va créer une instance. Voilà. Bon, voilà, store, limonade, limonade, stand égale new store, ok. Voilà, on a créé notre instance. Et ouais, on fait un système, voilà. Out, line, limonade, voilà, hop, voilà. Et du coup, si je le lance, je vais avoir un runStore.main. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'était ce qu'on a fait en maths. Donc 30. Ok. Voilà, donc du coup, on en est où là? Ah, ça me fait marrer, genre. Donc du coup, on a la variable limonade. Stand, donc, qui référence une instance de la classe store, ok, et voilà, c'est bien la store at en truc en mémoire, c'est là, c'est store, donc pour nous rappeler que c'est store à l'adresse suivante 500, voilà 583 7 machin, voilà l'adresse mémoire, ok, c'est bon, je peux hop. Ce que j'ai fait. Voilà, donc on a adresse mémoire. Donc là, pour rappeler que c'est une instance, ça réfère à une classe store. L'adresse mémoire. Ici, j'ai une adresse différente parce que c'est pas le même ordinateur. Ok. Donc il dit on s'en fout de la mémoire. C'est les caractéristiques. Alors on va voir instance variable et instance fields. Ok. Donc on sait, on avait ce qu'on avait. Alors en Kotlin, on avait vu propriété et méthode, mais bon. Ah, les cartes, différentes couleurs, machin et tout. Alors. Public class car. Est-ce que j'avais fait car? Ouais, c'est tombé bien. Voilà. Public car. Ok. J'avais fait le constructeur. Alors, on va rajouter. Voilà, la classe car est là.
Qu'est-ce qu'il y a quand même? Voilà. Allez, une couleur. Alors, déclaration dans une classe, c'est une variable de classe. C'est logique, ok? Donc, je sais pas où j'ai mis la classe car. Voilà, la classe car elle est là. Je vais la représenter vite fait là. Donc la classe car elle est là. Et on a une variable. Voilà, une variable d'instance. Ça s'appelle color. Ok. Ok. Ok, bon, c'est pas hyper. Enfin, je trouve c'est hyper confus. Alors, va rajouter un truc. Voilà, faire un string product type. Product type. Non. Ah ouais. Product type. Ok. Voilà. Donc on va rajouter une variable de classe, une variable d'instance. Voilà. Product. Voilà. Est-ce qu'il a mis F pour field? Ouais. Le M, je sais pas. Bref. Alors, paramètres du constructeur. Voilà, enfin, on va commencer. Alors, constructeur. Donc voilà, par exemple, pour la classe, on avait vu. Une paramètre dans le main, c'est qu'on fait public static void main, on met string args, ok, donc c'est un tableau qui s'appelle args et contient paramètres les arguments. Ah, là c'est ultra bizarre, voilà. C'est là où Java c'est donc là on met string color, ok. Public car et du coup je lui assigne là c'est ultra bizarre parce que je comprends pas color et qu'est-ce qu'il met color PC color égal un truc comme car color. Pas d'où je sors ce truc. Ah, ah c'est ça. Voilà. Ouais, dans le constructeur, ouais, effectivement, on va initialiser ce champ-là. Est-ce que je l'ai mis là? Voilà. Ce sera une idée dans le constructeur. Ok. Alors, deux types de paramètres, des formels et actuels. Formal paramètre, donc ça va donner le type et le nom. Beaucoup de trucs là. Je sais pas pourquoi ils ont fait un cours Java aussi condensé que ça. On relira ça après. Alors, mettre le type string. Ok, voilà. Voilà.
200. On va faire. Alors, product type. Type égale product. Voilà. Voilà, je trouve ça hyper confus. Ça manque beaucoup de blabla. Bon. Mais bon, on avance quand même.